Je suis Tani Lankwande, agricultrice à Sagadou. C'est dans la région de l'Est du Burkina Faso. Vous savez, dans cette partie du pays, les conditions de production agricole sont précaires, avec une pluviométrie faible et irrégulière et des sols dégradés. Depuis des semaines, je me lève très tôt le matin pour mon champ. Aujourd'hui, quand je parcours mon champ à maturité, c'est difficile de contenir ma satisfaction. Cette année, les récoltes s'annoncent bonnes. C'est presque inespéré de produire autant sur cette terre, aussi hostile et le climat capricieux. Aidé par mon mari, nous mettons à l'abri le fruit de nos durs labeurs. Vous voyez, déjà mon silo de niébé est rempli et la récolte n'est même pas encore finie. Mais beaucoup me sont témoins. Pour arriver à de tels résultats agricoles, à Sagadou ici, ce fut la croix et la bannière, j'allais dire, la brouette et la pelle. Quand j'ai fini par comprendre que les difficultés jusqu'alors connues de tous les paysans sont exacerbées par un phénomène plus récent, plus contraignant appelé le changement climatique, je ne suis pas restée les bras croisés. J'ai cherché à connaître ce phénomène et à m'y adapter. Pour moi, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est une nouvelle donne avec laquelle nous autres travailleurs de la terre devrons composer, trouver la meilleure solution possible d'adaptation. Celle qui me permettra d'améliorer la fertilité du sol de mon champ, sans pour autant exiger des moyens financiers, dont je ne dispose d'ailleurs même pas. J'ai d'abord essayé les cordons pierreux pour retenir l'eau, mais le résultat n'était pas à la hauteur de mes attentes. J'ai alors eu l'idée d'utiliser des feuilles mortes, des arbres comme fumure organique. Ce n'est pas une pratique culturelle connue dans la localité, mais elle a l'avantage d'être à la portée de tous. Surtout des modestes producteurs comme moi, qui n'ont pas accès aux engrais chimiques et qui ne disposent de bétail pour espérer avoir la fumure organique animale pour le champ. Je suis partie d'un simple constat. Les résidus de feuilles mortes charriées par les eaux de pluie enrichissent le sol par endroits. Ces feuilles se décomposent en humus et rendent la terre fertile et arable. Je me suis mise donc à collecter les feuilles mortes que je dispose par petits tas dans mon champ, bien sûr tout en prenant le soin d'y ajouter de la cendre, puisque cela évite que les termites n'attaquent mes tas de feuilles mortes et surtout au vent de l'harmattan d'en emporter. Puis, j'attends les premières pluies pour épandre cette matière sur toute la superficie de mon champ. Après cette étape, ce sont les labours à la charrue et tout ce qui s'ensuit pour que mes plants croissent normalement. Le résultat me donne raison et entière satisfaction. Il y a une nette différence entre les parties ayant reçu le traitement et celles sur lesquelles je n'ai pas pu appliquer ma technique pour l'instant. Je dois vous avouer qu'au début de cette aventure, j'étais presque seule. Mon mari,
lui me donner un coup de main sans pour autant en être convaincu. Je reconnais que quand ma femme a entrepris cette pratique, j'étais perplexe et même pessimiste. Mais aujourd'hui, je suis plus que fier d'elle. Elle a inspiré beaucoup de cultivateurs dans les environs qui imitent sa pratique et obtiennent des résultats plus que probants. Lui, c'est M. Kuila, un animateur de l'association Nourrir sans détruire, ANSD. C'est une structure partenaire de Grande Selle Internationale et il a entendu parler de mon initiative et il s'y est intéressé. Compte tenu des résultats engrangés, mon champ fait école. Très vite donc, la technique de fertilisation par les feuilles mortes a voyagé jusqu'à la capitale régionale. Là-bas, les chercheurs de l'Institut de l'Environnement et de Recherche Agricole INERA l'ont examiné et ils sont formels. C'est vrai que nombre de productrices et de producteurs du village considéraient mon innovation agroforestière comme une perte de temps. Mais ça, c'était avant de voir l'aspect de mon périmètre agricole pendant la saison pluvieuse. Aujourd'hui, plus d'un ont adopté l'innovation. La plupart de mes voisins de champs s'y mettent avec des résultats fort encourageants. Nous voyons que dès la saison sèche, Tani commence à ramasser les feuilles mortes et à les disposer sur son champ. Et quand débute la saison pluvieuse, son champ se présente bien et elle obtient de meilleures récoltes que nous. Alors, on a suivi son exemple et nous ne le regrettons pas. Loin s'en faut, nous aurons de meilleurs rendements que par le passé. Je me dis que si la technique de fertilisation par les feuilles mortes a du succès, c'est parce qu'elle a des avantages certains. Elle ne nécessite pas de moyens financiers et la ressource est disponible. Il me semble même qu'à la direction régionale de l'INERA, il est question de chercher à l'améliorer et à la vulgariser auprès des producteurs. Les gens des autres sont les
C'est vrai que de nos jours, l'incertitude et souvent même la fatalité due aux effets des changements climatiques ont gagné les esprits. Mais moi, je crois humblement que des pratiques paysannes comme celle des feuilles mortes peuvent redonner vie à la terre et bien sûr espoir aux producteurs. On pense tous que le phénomène est irréversible et qu'il faille s'adapter. Il est possible de s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques, mais de ma propre expérience, on peut le faire et à moindre coût. Maintenant, tout ce que je souhaite, c'est que les grands chercheurs des grandes villes améliorent ma trouvaille. Je compte aussi sur des organisations comme le Centre technique de coopération agricole et rurale, CTA, engagé dans la promotion et la vulgarisation des initiatives paysannes comme la mienne. Farmers face the greatest challenges of climate change on a daily basis. And over the years, they have been experimenting on ways to adapt to climate change. So it's absolutely necessary that whatever they have been doing is documented and fed into the research that's being conducted to develop technologies and approaches for climate change adaptation and mitigation. So this is an area that CTA has paid a lot of attention to in the past. Last year, we had a briefing in Brussels where we brought together researchers, policymakers, and so on to look at what are the ways that we could integrate local knowledge and farmers' contributions in terms of research and innovation for addressing a number of issues, including adaptation to climate change. Cette pratique a changé positivement ma vie en accroissant le rendement de mon exploitation agricole familiale. Pour cette année et pour les années à venir, ma famille ne manquera pas de quoi se nourrir. C'est déjà une prouesse pour une femme comme moi, jusque-là sans histoire.